Même la haine, c'est de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Ah, c'est vrai. Speak to us. This is it. I'm your host, Aisha, and each week I invite an incredible guest into my kitchen to make their all-time favorite dish and talk the this is it moments of their lives. My guest today is an award-winning lyricist and French recording artist. At the age of 15, she began posting rap videos across social media, garnering millions of views and quickly getting co-signed by some of the biggest names in French rap. She stole the hearts of many and became a household name in 2022 as the breakout star of Netflix France's hit rap competition, Nouvelle École, aka Rhythm and Flow. Between working independently, signing record deals, and forging her way through the French hip-hop industry, her journey has inspired so many. She's here today, and we're going to have some serious fun chatting about her latest release, upcoming EP, and big future in the rap game. Recording artist, rapper, and today, chef, Lace. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Ah, je suis trop contente. Oh, on touche pas pour le maquillage, ouais. Désolée. So, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es bien arrivée aux États-Unis? Ouais. Là, c'est les States. C'est pas la France. Tu kiffes? Franchement, c'est trop bien. Really? Ouais. Non! C'est trop grand, c'est... Trop grand, c'est grand, les immeubles. Contente. Ouais. Franchement, c'est plus grand que... Et même France. Les routes, elles sont plus grandes qu'en France. Yeah, et les voitures. Ouais. Elles sont plus grosses. J'avoue. So, tell us about your favorite dish. C'est de la raclette, donc c'est un plat français. Mm-hmm. Et du coup, là, ça va être un peu revisité. Ouais. Je pense, parce que t'aimes bien. Je pense aussi. Voilà. J'aime bien mettre des. A little bit of seasoning, quand même. Ouais. Un peu de quand même. Tu vas prendre les pommes de terre. En plus, ça, c'est juste un peu pour décoration. Ouais. On a. Mais après, il y a des. Je sais pas comment on dit équipe. T'as jamais vu ça? Non. Leslie. Enfin. Nous, t'as jamais vu ça? Non, nous, on a celle-là, mais celle-là, moi, j'ai pas le signe. Si, t'as déjà vu ça. Parce que ça, c'est blanc à l'intérieur aussi. Mm. C'est juste ça, c'est violet à l'intérieur, je pense. Sérieux? On a le dinde. C'est le dinde? Ouais. Les saucissons? Saucisses. C'est pas saucisson? Saucisses. C'est pas du porc? Ça, c'est pas du porc? Non, c'est du poulet. Mais on mange pas du porc ici. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on mange pas le porc. Quoi? Okay, on va dire que c'est une raclette halal. Halal. Ouais. J'aime bien comment tu as dit ça. Halal. Halal, on dirait que tu es partie. Parce qu'il n'y a pas de porc, il n'y a rien, mais ça va être trop bon, je pense. Parce qu'il y a le porc dans le raclette. Ouais, clairement. Mais il n'y a que à du la porc. Base. Mais bien sûr. Quoi? Mais c'est un truc. Tu mens. Il y a du bacon, il y a du saucisson. Le saucisson, c'est du porc. Leslie, il y a... t'abuses. Ah, que du porc. Ouais. Mais quand tu. Oh, ah, désolée. Oui. Oh, je m'en fous. Je vais l'appeler Leslie. Parce que combien de fois j'ai dit Leslie, là? Plusieurs fois? Ouais. Non. Lace, j'avoue. Ouais. Oh, c'est difficile. Mm. Je te connais. On se connaît un peu. On dort ensemble. On dort ensemble, carrément. La raclette, le fromage. Regardez comment c'est joli. Elle, vous savez, elle a payé combien? This is the raclette grill. Shout out to the A. We're going to put the A in the bloopers. C'est quoi, du A? On the Kevin episode. Amazon. So we're gonna grill the meat on top. C'est vrai, on va griller la viande là. Ouais. Et les pommes de terre, the potatoes, we're just gonna boil them to make them super soft. And then we're gonna melt the cheese underneath. This is not a traditional French raclette. This is actually like, we're just kind of switching it up a little bit because, yeah, we're just switching it up. C'est parti. Look at us. Ça fait combien de temps que tu fais le rap? Que tu as commencé à écrire, c'était quand? En vrai, j'ai commencé à écrire, je pense, en primaire. Ok, genre, primaire, c'est quoi? Primaire, c'est avant le collège. Genre, en fait, j'écrivais, mais c'était pas du rap, c'était plus des citations, des citations, en gros, c'est comme, je sais pas, comme si je disais, enfin, c'est des expressions françaises. Oh. Tu vois? Et j'écrivais ça parce que j'aimais bien. Par exemple, je sais pas, mettre la charrue avant les bœufs. En gros, c'est des expressions que... Mettre la charrue avant les bœufs? Ouais. C'est quoi les chariots et c'est quoi les bœufs, en fait? en gros, ouais, j'ai commencé à écrire là. C'était plus l'amour de la langue. Hmm. Et par la suite, après, ben, comme j'écoutais du rap, vas-y. Tu
tu connais. Ok, amazing. Et tu as commencé à écrire les rap à quel âge alors? Je fais trop genre, je sais me servir de ça. La honte. Non, t'inquiète. Non, mais je sais pas. C'est bon, tu peux chiller pendant que je coupe. C'est vrai? Je te jure. Donc, j'ai commencé à écrire des rap. Je pense que c'est quand j'ai découvert Nicki. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicki Lewinsky. Ouais. Onika, Tanya Maraj, Roman Zelensky, Roman, voilà, bref. Period. J'ai commencé à la, j'ai, quand je l'ai découvert, avant j'étais fan de Rihanna, et quand je l'ai découvert, ouais, quand je l'ai découverte elle, franchement, c'est là où j'ai écrit mon premier texte. Tu mens. Je te jure. How old were you, 16? 16 ans. Non, 15. 15 ans, ouais. Wow, 15 years old, ouais. You started rapping. So let's get into your This Is It moment. Quel est le moment qui a fait en sorte que tu t'es dit que ta vie va changer? Like, you really made it, this is it, t'es arrivée, t'es là, ouais. Mais en vrai, c'est bon. Ouais. En vrai, c'est des années après. Vraiment, c'est vraiment des années après. Et après, je me suis... 10 ans après. Franchement, limite, hein. Clairement. Quoi? Ben, j'ai rigolé. Non, mais je pense que 10 ans? 8 ans, 9 ans. En vrai. Non. Ouais. Bah, c'est pendant la nouvelle école. Je pense que c'est là où j'ai vu... En plus, c'est même pas pendant qu'on a fait l'émission. C'est quand l'émission est sortie. Parce qu'en fait, pendant qu'on a fait l'émission, on ne s'attendait pas à autant d'engouement autour. Tu vois. Il n'y a pas vraiment un moment... En fait, il y a toujours un truc où je me... Enfin, je me dis jamais je suis arrivée. Tu vois. C'est un peu une mentalité en mode... J'ai toujours envie de faire plus et tout, je suis grave comme ça. Avant, je faisais déjà des vidéos, tu vois, sur les réseaux, etc. Donc les gens, ils me reconnaissaient et tout. Mm-hmm. Mais là, en fait, c'était un level que même moi, je ne pouvais pas gérer un peu. Donc je pense que c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, ah ouais, là, il y a... C'était grave. C'était Netflix quand même. Ouais. C'est grave. C'est international. Mm-hmm. Tu vois, ce n'est pas des choses où tu dis, ouais, il faut que je me prépare à ça. Pourtant, avant, en gros, que l'émission sorte, on a une psy. Une meuf qui nous écoute, etc. Psy, like a... Psy, P-S-Y. Like a therapist? Ouais. A psychologist? Ouais. Ok, cool, cool. Et du coup, elle nous aide, tu vois, à se préparer pour qu'on puisse faire en sorte de... Attends, tu finisses. Désolée. Des gadgets. Désolée. En vrai, tu peux pas être préparée à ça. Mm-hmm. Tu peux même te préparer pendant des mois, tu seras jamais prête à recevoir autant de trucs, en fait. En parlant des réseaux... Il y a grave des artistes, je trouve, qui arrivent dans le game par rapport à un mentor, les gens comme ça. Mais for you, I just feel like c'est grâce au réseau que les gens t'ont découvert. Bah, en vrai, je pense que c'est grâce à mes vidéos. Tu vois, j'ai fait des vidéos très tôt. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens m'ont découvert. Mais après, je crache pas sur le fait que c'est le fait que des gens m'ont donné de la force qui a fait que... Tu vois, j'ai eu de l'estime peut-être dans le cœur des gens. Ouais. For sure. Ouais. Y a quoi qui, c'est quoi qui t'inspire? En fait, je sais que tu prends... Like, quand j'ai écouté ta musique, ouais. J'écoute ta musique de toute façon, mais... Ah! Menteuse. Grave mytho. Il n'y a pas vraiment de chance. Qu'est-ce que je disais même? T'écoutes ma musique. Oh yeah. Qui m'inspire. Tes inspirations. Like, je sais que... Tu parles beaucoup de tes expériences dans la musique. Tes expériences dans la musique et ta mère, des vraies histoires qui touchent. Ouais. Mais c'est qui les artistes qui t'inspirent? Bah, déjà, je quels dire. Sont... Désolée, on va parler français. Là, on va parler... Quels sont les artistes qui t'inspirent? Déjà, la première, tout le monde la connaît. On n'a même pas besoin de le dire. Vas-y, G. Mais dis, c'est qui? Nicki Minaj. Voilà, period. Donc déjà, elle. Ensuite, j'essaie... Toi, tu fais period comme ça? Désolée, hein. C'est comment? C'est là, en fait. Carisha, elle va te clasher. Vas-y, c'est les artistes qui t'inspirent le plus. Mais... Toi, tu fais même pas attention à tes trucs, là. Non, t'inquiète, ça t'abuse. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup d'artistes, tu vois, genre un peu... Bon, je vais pas dire underground, mais un peu... tu vois, des artistes qui ont pas forcément, par exemple, beaucoup d'abonnés. Parce que généralement... I like that. Ouais. C'est beaucoup d'artistes, je trouve que c'est pas des artistes genre qui ont... Mais ces artistes qui sont quand même connus de ouf. Qu'ils ont pas encore percé? Ben ça dépend. Genre par exemple La Fève, il est grave écouté. La Fève. Faut que t'écoutes. Franchement, c'est trop lourd. Il est pas encore, je pense, au niveau où il doit être, mais il est quand même grave connu. Mm-hmm. Tu vois. Après, il y a un mec qui s'appelle Jola Green. Genre grave fort aussi. Jola Green.
Mais c'est vrai que j'essaye, tu vois, d'ouvrir mon oreille à me dire, bon, je vais écouter aussi de la nouveauté. C'est la base. Parce que c'est ce que tu écoutes qui va faire que tu vas être inspiré, que tu vas... For sure. 100%. Ouais. Donc, franchement, j'écoute de tout. Really? J'essaie d'écouter tout et même j'écoute aussi, par exemple, les artistes féminines. Tu vois, il y a des artistes féminines que j'écoute grave en ce moment. Let's get into it. Et j'essaie de faire en sorte de pouvoir... Les Américains ou les Français? Ou les deux? Tout le monde. Les deux, hein. J'essaie de, pour pouvoir, moi, me positionner, de savoir où je suis sur le marché. Tu vois? I like it. You're doing research. Exactement. Tu fais des recherches. Exactement. C'est ça. I love it. Les gens qui disent, ouais, j'écoute pas les artistes. C'est des Français, mais ils disent, j'écoute pas les artistes français, c'est des gros mythos. Et en vrai, tu peux pas. Non, mais c'est vrai, ça fait pitié. Tout le monde s'écoute, en vrai. Tout le monde regarde ce que tout le monde fait sur les réseaux. Et faut se renseigner pour écouter, pour savoir où tu te situes, en fait. C'est important. Ton EP, what's the vibe? Mais ça va. Alors, Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la vibe de mon EP, c'est vraiment... en gros, moi, j'ai toujours fait des sons en rapport avec ma vie. Donc, ça veut dire que tous les freestyles que vous entendez, là, sont en rapport avec ma life. J'écris pas sur des trucs qui n'existent pas. Wow. You're always talking real shit? Period. You're lying. Period. T'es à LA, ça fait deux jours. Calme-toi. Tu forces, frère. I'm American. Parle avec nous, hein. Désolée. Mais la vibe de mon EP, ouais, ça parle de ma vie en vrai. Après, j'avoue, la vibe principale, ça parle de l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est ce qui... Tu parles de l'amour? Ouais. C'est ce qui fait en sorte que... Oh, it's a love project. C'est quoi love project? Qui? C'est un projet d'amour. Mais en fait, non, c'est pas un projet. En fait, c'est un projet... Pour moi, l'amour, c'est en rapport avec la vie. Tu vois, genre... On peut pas vivre sans amour. Quand on vit sans amour, même la haine, c'est de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Wow! Hein, c'est vrai? Speak to us! Ouais, en gros... Même la haine, c'est l'amour. Ben, clairement. Vous avez entendu ça? Mais vous croyez quoi? Non, en vrai, c'est vrai, quand tu détestes quelqu'un, c'est que t'as pas terminé de l'aimer, tu vois. Leslie! When you hate somebody... What? It's because haven't finished loving exactement. Them. Exactement. Wow. En gros, ouais. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence, en vrai. C'est quand, en fait, quand tu t'en fous de quelque chose, c'est que tu l'aimes plus. Wow. Non, mais c'est But vrai. When you're passionate about it, ouais. C'est que... C'est quoi, passion? Passionné. Non, quand t'es passionné, ça veut dire que... Tu l'aimes. Yeah, mais tu quand t'es indifférent, ça veut dire que t'en as plus rien à battre. Yep. Tu indifférent. Vois? C'est you ça. Don't care anymore. Tu t'en exactement. Fous. Mais tout ça pour dire que même dans mon EP, c'est pas, en fait, c'est pas de l'amour, genre gnangnan. Quand on dit gnangnan, ça veut dire en mode « je l'aime, je suis amoureuse ». Really? Tu vois, c'est pas ça. C'est pas par rapport au... Non, c'est pas du tout ça. Un mec? Si. Ou plusieurs? Ouais. Ça, tu vas jamais mettre. It's about love, it's en about fait, c'est les différents... On va dire, mon EP, c'est les différentes façons d'aimer quelqu'un. Wow! Purée. C'est profond. Même moi, j'ai envie de l'écouter. I absolutely love it. Non, c'est vrai. So, et la question que tout le monde se demande, ça sort quand? Non, faut arrêter. Faut arrêter de poser des questions indiscrètes. When is it coming out? Non, en vrai, le fait... Tell us, je suis partie dans tes commentaires pour chercher, peut-être il va y avoir une partie où je vais te demander des questions de tes fans. Et tout le monde dit, c'est quand l'album... C'est quand le EP. Mais c'est parce que ça t'énerve, ça. Tu vois ça tout le temps. Même plus maintenant, parce que je comprends, j'ai teasé ça pendant tout l'été, parce que j'ai fait l'EP pendant l'été et tout. Et quand je l'ai terminé, ben, en gros, après, il y a d'autres... Il y a d'autres choses dans la musique que les gens ne connaissent pas, donc ils ne peuvent pas savoir, par exemple, avec qui tu vas partir, les équipes avec qui tu travailles, tu crées des équipes, etc. Ça fait qu'il y a des choses qui prennent plus de temps, mais l'EP est fini. Et il va sortir là, normalement, si tout se passe bien, en début d'année, en vrai. Inch'Allah. C'est notre pote. Oh my God, wait. Ouais. Si c'était le dernier. Ouais. Faut en parler. Ça, c'est sur le EP. Non. Mais il faut en parler quand même. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai pleuré. Quoi? Tu mens. Il y avait des larmes. C'est vrai? Il y avait des frissons. Non, mais Leslie, faut pas... 10 minutes, t'as des couilles, hein. t'as des couilles. Ouais. Quoi? Mais c'est n'importe quoi ce que je fais, là. Tu me dis pas que... Non, ça va. Vous allez manger la raclette? Are you gonna have a little bit of raclette? Ils vont grave pas manger. Regarde comment je coupe le truc. Bien sûr. Tu vas te couper, toi. Moi? Tu vas te couper toi-même. Ça rentre. Encore un peu.
quoi? Il n'y a même plus d'eau. C'est vrai? Je te jure. Toi, tu mens. Je te jure. Comment dis-tu, moi, you lying? You're lying. Je t'ai dit ça en plus quand t'as dit en 2027. Oh, you're lying! Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le procédé, ça a été comment? On coupe pas ça? Pas maintenant? Pas maintenant. Ouais, pas maintenant. Je pense. Tu veux couper? Pas maintenant, il y a déjà assez de... C'est bon. Mais ça, c'est bourratif de ouf. Hein. C'est bon pour tout le monde. Bourratif. C'est genre quoi, ça, bourratif? Ça va ça te cale. Bourrer... Ouais, ça cale. J'allais dire bourrer la gueule. Non, ça, c'est une histoire. Ça va te bourrer le ventre. Ouais. Ça se dit? Ouais. Honey, that is recycling. C'est quoi? Je suis pas maniaque. Mais ça, c'est où tu mets les verres. C'est vrai? L'autre, c'est où tu mets la poubelle. Oui, recycle. Je mens, mais depuis tout à l'heure, je mets des trucs là. Tu mens? Ouais. Tu t'en fous de la terre? Sinon, je vais dans la sauce. Mais Leslie doesn't recycle. Just kidding. On rigole. She recycles. Mais c'est un teaser. C'est toujours un vibe. Mais j'ai trop mal coupé. Hein. C'est pas grave. C'est joli en fait. Ouais, c'est très beau. C'est moche et joli ouais, en même temps. Que ça fait. Ça a une. Ça fait grave bien. Ça a une originalité. Period. Ouais. It's unique. Ouais. It's gorgeous. This one is giving life. This one is giving death. T'as écrit pendant 10 minutes? Ou bien t'as bien organisé? Non, en gros, ce qui s'est J'abuse pas, je connais pas ton procès. Ton process. Mon processus. Processus? Ouais. Mais vous abusez. En fait, j'ai vraiment écrit petit à petit ça. Ok. Tu vois, dans, genre, en fait, déjà de base, je voulais pas écrire sur ce son-là parce que c'était une reprise de Jams et que le son de base, il est excellent. Genre, il est incroyable. Wow. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sons du rap français. Really? Mais il y avait toujours ce truc où je me disais, franchement, ça, c'est un challenge de vie. Il faut que j'écrive sur ce truc-là. Like, après, je pense que c'est bon. Il y en a en bas que tu vois. Et après, il faut que tu mettes ça dans l'eau froide pour qu'on puisse enlever la peau. Enlever la peau? Ouais. Really? Ouais. Ok, interesting. Là, je vais te... I'm gonna put you on. Sober life. C'est quoi? Ok. C'est des champignons. Tu vas commencer à halluciner. C'est vrai? Ça va t'aller bien. Non, en vrai, c'est quoi? C'est beau. Hey Siri. Attends. How do we say adaptogens in French? And please say it out loud so I can hear you. Cheers, baby. La raclette. Donc, so tell us about what we're gonna do now. So there are these things. Ça c'est pourquoi? C'est pour racler le fromage. Racler? Ouais. C'est comme ça que tu dis? Ouais. This is why it's called raclette. Non, mais je sais pas si c'est un rapport, mais. Genre, mais c'est sûr, ouais. Racler, raclette. Non, je pense pas que ça a un rapport. Donc voilà, avec ça. Et ça, tu mets le fromage sur les pommes de terre. Amazing. Voilà. Okay, stunning. So we have our potatoes, our turkey, our cheese. Oh my God, il y a le fil dans le fromage. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Ton verre. Mais non, ça va tomber. Putain. Excusez-moi, les gars. Les gars et les go. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Get le gâteau. Get le gâteau. Ok, vas-y, je prends. Je me sers. Tu te sers. Attends, tu fais quoi? On est des Africaines. Mais attends, je te sers. Oh, comme ça, on va couper le truc. On va pas faire fondre le. Après, tu peux. Hein. Quoi? Non, je fais pas ça. Quoi, je vais couper? On va pas manger les bougies. C'est les trucs. Non, ça se mange. Non. Je te jure, c'est vrai. I don't know why it was wax. I thought it was wax. Non, je te jure, tu vas voir, ça va être bon. Quoi? En tout cas... Je vais pas voir. On va mettre le fromage sur les... je sais pas comment on appelle ça. On va le mettre là. Mais avant ça, le délire, c'est que c'est bien de... prendre les pommes de terre. Exactement. Ok, vas-y. T'as tout compris à la vie. Merci. Ouais. Tiens. Oh, je prends les pommes de terre. Merci, t'es trop gentille. Ouais. Moi, en fait, je vais garder la peau. Hein. C'est bon pour toi. Non. Fiber. Non, moi, je garde pas la peau. Et tu veux garder la peau de ça, mais pas de ça? Si. Non, t'abuses. Oh. OK. Mais le problème, c'est que faut... Oh, après, mais ça, ça se met là. Par contre. Moi, je fais ça avec mes ongles. Hein. Sauf bien que ça serve à quelque chose. À un moment donné... This is good. Ooh. Choqué. Shucky, shucky. Like it's grilling quoi. Que manger, c'est vraiment la vie. C'est la vie. Vas-y, continue à poser la question. C'est ma vie. Oh, désolée. Hein. Je suis avec ma femme. Ne me jugez pas. Manger. The sight of this is just killing me.
Killing me. Tu parles comme les filles. This bitch is better than me. This bitch is better than me. Okay. Le moment, donc, t'es plus fière. T'es le plus fière. Vas-y, je suis fatiguée là de parler français. Vas-y. Je suis fatiguée. Le moment qui te rend le plus fière. Le moment qui me rend le plus fière dans ma vie. C'était bien? Ouais. J'ai bien dit. En vrai, le ça moment me qui me rend le plus fière, c'est le fait de me dire que ma mère... Oh. Hey, on va pleurer ici. Non, même pas. Oh non, c'est incroyable ça. C'est violé. T'as jamais vu? Myrtille. Framboise. Incroyable. C'est quand mes proches, vraiment, ils sont fiers de moi et que je me dis que... Et t'es trop mignonne. Non, c'est vrai. Mais c'est les moments les plus... Parce qu'en fait, moi, je suis fière de moi de base. Désolée. Non, je rigole. Non, après, je suis fière de ce que j'ai accompli de base. Mais genre, quand c'est la famille, les gens qui te soutiennent et tout, ça fait plaisir, en vrai. Alors, ils disent même le fait que ma mère, genre, elle me suit depuis le début. Elle voit, tu vois, l'évolution, quoi. Ma fourchette, désolée. Ah, désolée. Désolée. Quoi? Je suis émue. Ça arrive. C'est quoi, émue? Émotionnelle? Ouais. Non, je suis genre contente. Enfin, non, c'est pas émue, c'est émotive. Mmh. Oh, c'est bon. En parlant des émotions, ouais. Ça pleure. T'es célibataire? Je rentre, I'm getting in your business, honey. Dans ton business. Regarde. Oh. You guys, this cheese melts, this is ASMR. Is it ASMR? Tu m'as fait écouter quelques sons? Ouais. Du projet? Ouais. Guys, this is so delicious. Sorry, I keep stopping because it's just so good. Désolée. C'est vraiment désolé. C'est excuse-nous là. Mmh. T'as vu? Mais est-ce que ça vaut 100 euros? Si. Clairement. La vie coûte cher. Hein? Ouais. J'ai écouté quelques sons et je voulais juste te demander parce que tu parles de... Et j'ai trop hâte que ça sorte, en fait. J'étais trop fière de toi quand j'écoutais. Mais parlons de... Parlons de le EP qui parle de l'amour et la haine et tous les sujets en dessous. T'es célibataire? I'm in your business. I am. Neuf. I'm in your business. Maintenant, selon toi, est-ce qu'on a le temps de se mettre dans une relation? Quand on a envie de faire des plans? Là, t'esquives la question, en fait. Faut juste répondre. Faut pas nous parler non. Japonais, chinois. En vrai, mon cœur, il est pris. Il est pris? Ouais. Ah. Il commence à être pris. Really? Ouais. La raclette? 10 out of 10. Would recommend to everyone. Like, let's just take a look at this. Just look at this cheese drop. Oh my goodness. Oh my god. Ouais, mais nous, on est en mode... Non, mais regardez les gens, là. Ils sont en train... Eh! Vous êtes sérieux? What do you want to accomplish? Je souhaite vraiment pouvoir faire passer mon message, faire en sorte que ma musique, elle traverse plein d'époques, de frontières, et que ça aide vraiment les gens, tu vois. So you don't call them fans, you call them supporters. En tout cas, bisous à mes comptes fans qui sont grave lourds. Genre, ils publient tout le temps, et puis ils sont grave, même ils m'envoient des messages. Ils sont trop mignons. La musique, c'est vraiment quelque chose qui sauve et qui rassemble les gens. Et j'ai vraiment envie que les gens... À chaque fois, je parle, elle fait ça. Mais attends, let me just raise my... Drama cream. Il y a la viande qui brûle. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Ça nous a permis même de nous rencontrer. On n'a pas parlé de ça, mais en vrai... Ouais, j'avoue. Vas-y, on raconte vite fait. C'était quand? 2019, 2018. Ouais. J'avais mis en freestyle. Ouais. Sur un instru de Ice Lemsy. Ouais. Et... T'as slidé dans mes DM! Désolée, j'ai slidé comme un charreau. C'est vrai, hein? J'ai slidé, je me suis dit. J'allais faire un truc, faut pas abuser. T'allais faire quoi? Charreau des charreaux. Non,